la convocation solennelle du Seigneur. Consos. La 20e édition, comme Jésus, c'est le thème de cette année. Un thème interpellateur. 20e édition. Je crois au ministère de l'oratrice de ce soir. Est-ce que vous croyez? J'aimerais de voir des personnes qui croient à son ministère. Wow. Avoir de telles femmes dans cette nation, c'est une bénédiction. À chaque fois que je la rencontre, je suis impacté. Si on se rencontre, je ne la laisse pas partir avant qu'elle m'impose la main. Avant qu'elle entre, j'ai demandé à ce que d'abord moi je reçois. Vous savez, on était encore des frères à l'église. Mais quand on suivait cette femme prêcher les mamans, je faisais une prière à Dieu. Avoir une femme de prière comme elle, c'est une bénédiction. Oh, tu as raté l'occasion d'acclamer. Quand tu vois combien... Mais je vois quand même nos amis de l'armée de victoire. Est-ce que s'il y a nos amis de l'armée de victoire qui ont accompagné maman, j'aimerais vous recevoir. Tenez-vous debout que je vous reçoive. Que l'église nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés de l'armée de victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Merci maman. Vous savez, Dieu est maître des temps et des circonstances. Je dérangeais tellement Félix Ambala. Papa Félix. Non, Félix Amba, la dame là qui est derrière. Ah, maman Félix Amba. La protocole de maman là. C'est mon arbitre, je dis, si maman ne vient pas prêcher chez nous, je vais te chasser de la fédération. Alors c'est par elle que nous avons eu cette grande connexion. Amen. Aujourd'hui, je me dis, nous sommes bénis. Mais je ne peux pas. Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne peux pas d'abord présenter maman Amy sans que je demande à toute l'église de se mettre debout pour ovationner papa Coutinho Fernando, un homme fort, un homme puissant. Est-ce que nous pouvons acclamer papa Coutinho Fernando? Acclamons. Wow. Mettez-vous. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez acclamé? Vous savez, la vérité restera la vérité. C'est lui le père du réveil au Congo. Est-ce que tu peux acclamer? Non, c'est lui, j'ai dit papa Coutinho. Papa Coutinho, c'est lui le père du réveil au Congo. Vous savez, avant nous, en tant que pasteur, on aimait une certaine humilité, mais qui était fausse. C'est le premier pasteur qui nous a montré comment il faut avoir une belle église. Si aujourd'hui nous avons des différentes chaînes de télévision chrétienne, mais le modèle c'était papa Coutinho. Il a enlevé l'église d'une certaine ignorance. Et chaque fois quand je vois le fils de l'homme prêcher monter sous des chaises, on se rappelle de papa Coutinho. Est-ce que nous pouvons encore ovationner derrière un grand homme de Dieu? Il y a une grande femme de prière. Je l'ai suivi quand elle faisait l'émission avec maman Gigi. Mais une simple émission, mais l'onction qui se dégage. Si tu es mon fils, ne quitte pas sans que maman déclare sur ta vie. Oh, est-ce que tu es là? Moi je crois à cette onction-là. Et si toi aussi tu crois, tu ne sortiras pas tel que tu es arrivé. Alors si la régie est d'accord avec moi, elle peut nous présenter maman Amy Coutinho. Story time,
L'heure du compte a sonné. Elle est parmi les premières femmes à prendre part à ce festival de la parole. Elle est ce genre de femme qui savent réellement s'imposer et se faire un chemin. On l'appelle affectueusement Maman Amy. Story time, l'heure du conte a sonné. Une femme remplie d'onction qui a su émerger aux côtés d'un homme des dieux, présenté comme l'un des précurseurs du réveil en République démocratique du Congo. Je cite Coutinho Fernando. Pasteur Amy Coutinho est une femme du ministère. Elle est phénoménale. Et surtout lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Et ça, nous avons dit l'amba, nous avons dit l'amba, nous avons dit l'amba, nous avons dit l'amba, et l'amba, il y a haine, nous avons dit l'amba. Femme leader, gagnère d'âme, cette femme a contribué énormément à l'épanouissement de la femme en général et celle du ministère en particulier en République démocratique du Congo et en Afrique centrale. Pasteur Amy Coutinho sait depuis des lustres concilier son foyer au service de l'Éternel. Elle s'adonne à la prière de manière profonde, prédicatrice de première heure, enseignante, revêtue des dons spirituels, notamment celui de la parole des connaissances, qui a impacté toute la communauté d'ici et d'ailleurs. Humble, toujours humble, on peut le dire sans peur d'être contredit. Toujours à l'écoute, elle l'a appris aux côtés d'un homme charismatique, leader aussi, Coutinho Fernando, consacré à temps plein dans l'œuvre du Seigneur. Amy Coutinho est coordonnatrice générale de la mission mondiale Message de vie. Elle est bishop au sein de la communauté armée de Victoire, mais également présidente des femmes Victoire. Le temps ne saura pas décrire cette femme de caractère, cette femme du ministère, cette référence pour la jeunesse, cette femme servante de l'Éternel aux multiples capacités et spirituelles. Pasteur Amy Coutinho, elle n'est plus à présenter, mais elle peut toucher ses soirs. Nous nous tenons debout pour recevoir. Ça c'est mon secret avec Dieu. Maman, la chair est à vous. Et maman. Oh, nakani sakoko beta maboko. Nazala yo na beta maboko na mololo. Beta maboko le kamuto sa pembeni na yo. Beta molole le kamuninga sali bosona yo. Sala yango bien, sala bien, sala bien. Beta maboko ne sana se. Moringa miwana maboko to maboko te. Beta maboko beta milolo. Que Dieu vous bénisse. Zamba pangola bino. Merci parce que vous avez acclamé pour moi. Matoni vete bobete la kinga maboko. Maintenant vous allez acclamer pour le roi des rois. Siko boko bete la mokonza ba konzi maboko. Oh, bete la mokonza ba konzi maboko. Bete la oya pesi yo pema maboko. Alléluia. Soki makase zatia mololo, sala makelele pona lokumu na Yesu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Matoni morimo santo. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Matoni morimo santo. J'écoute, il y a un cantique qui est en train de chanter. Nasoyo kaloyembo moke zoyemba. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi, car
garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Dieu capable de faire. Tout ce capable de faire. Alléluia. Alléluia. Il fera. Oh, il accomplira. Il accomplira. Écoute ce qu'on va faire. Cette chanson, c'est toi-même qui va la chanter. Eux vont juste nous donner le mot. Ils nous donnent juste le parole. Et toi, tu entres dans ces paroles. Amen. Amen. Monte avec moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Encore Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Chante avec moi. Chante avec moi. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu. Il est abandonné. Alléluia. Amen. On acclame pour le roi des rois. Il est Seigneur. Il est le véritable Dieu. On va s'asseoir. Merci beaucoup. J'entends les anges sont en train de chanter. Quand tu entends la voix intérieure, il faut la suivre. Alléluia. Amen. Merci, merci, merci. Matondi. À l'Éternel très haut. Matondi pa ina Yahweh alekilikolo. Le véritable Dieu. Zambo ya solo solo. Merci à Jésus-Christ. Matondi na Yesu Christo. Qui par sa grâce. Oyo na nzela ngolu na ye. Ramasse n'importe qui. Alokota kata mutu chana na. Alléluia. Amen. Comme il est écrit, il prend l'indigent. Il le fait asseoir avec le grand. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Tu ne peux pas terminer cette consosse comme tu es entré. Comme Jésus, tu dois sortir avec le résultat. J'ai raté ton amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci au couple pastoral. Mokengeli. Pasteur Amos Mbayo. Mokengeli Amos Mbayo. Je vous aime. Nalingibino. Vous m'avez surpris. Bino bo sutu ki sinengai. Oh, je voudrais dire une parole. Moi et mon mari, nous vous aimons. C'est vraiment une grande surprise pour moi. Merci d'honorer l'homme de Dieu. Et merci aussi de m'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent.
Que ce Dieu-là puisse vous honorer dans cette nation et dans des nations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi saluer aussi les hommes de Dieu qui sont là. Dieu vous bénit. Vous avez Dieu comme Jésus doit marquer votre ministère. En tout cas, cela doit faire de vous d'autres personnes. Parce qu'à force de crier Jésus, 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 bien-aimé, on ne peut pas rester la même personne. Voilà pourquoi mes salutations aux serviteurs et aux servantes de Dieu qui sont là. Amen. Amen. Je voudrais aussi me retourner du côté de l'équipe dirigeante, l'équipe organisatrice. Alléluia. Amen. Les gens qui ont aussi accepté mon invitation. Merci beaucoup. Que mon Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi vous saluer. Je vous lis, je vais saluer tout le monde qui est là. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil. Amen. Amen. On m'accueille tellement trop que je suis stressé. De la porte jusqu'ici, je suis très stressé. Merci beaucoup pour cet accueil. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Merci beaucoup. Et je sais que nous allons passer des moments importants. Alléluia. Amen, amen, je voudrais aussi dire oui et amen à tous les intervenants qui m'ont précédé. Vous savez, nous sommes un corps de Christ. Nous sommes dans le corps et chacun de nous donne ce qu'il a de particulier. Ce qu'il a de particularité, ce n'est pas un endroit de compétition. Sinon Christ ne sera plus révélé. Mais ça doit être un endroit de complémentarité. Amen. Selon la grâce que Jésus-Christ a donné à chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les intervenants? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Ce sont des hommes oints. Amen. Nous disons oui et amen à toutes paroles qui sont sorties en cet endroit. Alléluia. Amen. Je sais que ce soir, Dieu va visiter quelqu'un. Amen. Amen. J'ai déjà été suffisamment présenté. Vous savez, lorsque je me tiens devant la chair, j'aime pas du tout parler de moi. J'aime plus parler de Jésus. Amen. Amen. Ce que je vis comme image m'ont même troublé. Que moi je diminue et que Christ prenne place. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare, lorsque moi je serai élevé, bien-aimé comme Jésus, je voudrais parler comme sous-thème l'élévation de Jésus. Lorsque moi je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Amen. Amen. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Bien-aimé, élève Jésus. C'est cet exercice qu'il faudrait faire. Amen. Amen. Et je sais qu'au travers de tous les intervenants, maintenant, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Ne sois pas seulement celui qui écoute et qui oublie.
Merci Saint-Esprit. Mais sois celui qui écoute et qui met cela en pratique. Alléluia. Amen. Comme Jésus. Lokola Yesu. Amen. Amen. Je voudrais qu'on se tienne debout. On va faire la lecture de la parole de Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, que moi je diminue et que toi tu croisses. Ces moments, je le voudrais important pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant. Seigneur, nous venons de partout. Nous avons tout abandonné pour toi. Glorifie ton nom. Élève ton nom. Je bénis ces moments que moi j'ai diminué et que Christ, que Jésus se fasse connaître à son peuple. Père éternel, que celui qui est venu malade sort de cet endroit guéri. Au nom de Jésus, que celui qui est venu avec des problèmes sort avec des solutions. Au nom de Jésus, que là où il y a des blocages, mais qu'il y ait la libération, la liberté. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, dans cette année, l'année de bonheur et de grâce, révèle-toi. Comme David a compris, il a dit oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Père éternel, répands ta grâce. Que ton peuple soit touché par ton bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que ton peuple soit touché par la grâce de Dieu. C'est notre droit. Père éternel, accomplis ta parole. Élève le nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la première référence, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. C'est notre parole de la consosse. 20e édition. La Bible déclare verset 16 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, 16 au verset 18. 16, jusqu'au 18e verset. La Bible déclare, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, le Seigneur, merci. Et là où est l'Esprit du Seigneur, alléluia, amen, c'est là est la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. Nous restons debout. Je donne encore une parole. Le sous-thème de la parole
que je voudrais exploiter ce soir. La parole qui va soutenir cette parole, le grand thème. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare. Alléluia. Amen. Philippiens. Chapitre 2. 5 au 11e verset. Comme Jésus. Merci Saint-Esprit. Comme Jésus. La Bible déclare verset 5. De Philippiens 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Amen, amen, et que toutes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On va s'asseoir, on acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé. Je bénis les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Je dis oui et amen à toutes les paroles qu'ils ont dites en cet endroit. Maintenant, plus tu avances dans la vie chrétienne, je voudrais saluer tous les gens qui sont dehors, les gens qui sont en train de nous suivre dehors. Vous êtes très distingués. Ne soyez pas distraits. Quelque chose va se passer. Comme Jésus, tu dois vivre le résultat. Tu dois vivre les conséquences. Amen. Amen. D'être comme Jésus, ça ne ratera pas ce soir. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il faut croire. Il faut croire que tout ce qu'ils ont dit ici, ils ont eu le temps de pouvoir expliquer, donner la définition. Ils ont ouvert votre intelligence depuis les premiers jours. Moi, mon caméraman qui était là pour prendre toutes les images, donc c'est comme si j'étais là avec vous le premier jour et aujourd'hui c'est mon jour. Et
à cause de ce qu'ils ont dit déjà, moi je donne ce que le Seigneur m'a donné en complémentarité. Alléluia. Bien-aimé, je serai plus prophétique. Je serai prophétique ce soir. Alléluia. Amen, amen. 2 Corinthiens 3. La Bible déclare. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je crois que tu comprends très bien. Bien-aimé, j'étais une femme timide. Bien-aimé, j'ai vécu 3 emprisonnements de mon mari. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que on se marie et Dieu a fait qu'on puisse avoir des enfants. Avec mon mari, nous avons 4 enfants. Nous sommes bénis, une famille bénie. Mais je trouve une particularité dans le ministère de mon mari. Quelque chose que le Seigneur m'avait prévenu. Le jour où à l'hôtel on est en train de nous bénir, le Seigneur me pose une parole. Est-ce que tu vas supporter tout ce qui va arriver? Bien-aimé, lorsque les gens se marient, c'est le moment de bonheur. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui connais. Et c'est pourquoi, le jour où on est en train de nous bénir, lorsqu'on donne des paroles, moi, dans mes paroles, lorsque je vais parler, je dis, Seigneur, mon rôle sera d'aider, aimer et servir cet homme. Je parle comme ça. Je vais aider, je vais aimer, je vais servir cet homme. Alléluia. Amen. Nous nous sommes mariés. Quelques années se sont passées. Je vois le premier emprisonnement. Bien-aimé, lorsque je réalise tous ces emprisonnements, parce que parfois je peux réfléchir comme une personne normale. Lorsque je réfléchis à tous ces emprisonnements, je me dis qu'il n'a rien fait. Le premier emprisonnement, c'était sa popularité. Il est mis en prison. Deuxième emprisonnement, il est en train de proclamer la parole de Dieu. Et pendant qu'il proclame la parole de Dieu, un jeune garçon s'est converti. Il était musulman et il donne sa vie à Jésus. Et ce qu'il avait remis entre les mains de l'homme de Dieu, mon mari a brûlé ça à la lumière de la parole de Dieu. C'était le deuxième emprisonnement. Le troisième emprisonnement, c'est pour le peuple. Que le peuple soit sauvé. Vous savez, quand Dieu parle, parfois on ne sait pas se retenir. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le troisième emprisonnement, nous avons passé toute la nuit avec les avocats et mon mari en train de réfléchir, en train de parler. Et à la fin, il dit, moi, je vais partir. Dieu m'a demandé de partir. Mais quand il va partir, il avait sa Bible à ses côtés. Il m'appelle, il me dit, moi je vais partir. On s'embrasse, on pleure. Il me dit, c'est que je te laisse. Enlève ça.
Il me dit, alobi nangai, ce que je te laisse, onga na tikeli yo, c'est cette Bible. Et sa Bible ya oyo. Organise l'église. Bon, dis ecclesia. Garde bien les enfants. Bate la bana malamu. Je sais pas, je vais partir pour combien de temps. Je sais. On se reverra. Alléluia. Amen. Lorsqu'il m'a donné la Bible, j'étais en train de pleurer. Mais plus je pleurais, plus j'étais en train de posséder la Bible. Je dis, trop c'est trop. Il faut s'élever. Et il faut agir. Bien-aimé, je prie la Bible. Je dis, Seigneur, je dois m'organiser. Seigneur, cette honte-là doit tomber. Je lis la Bible. Je lis les promesses de Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant je dois agir. Bien-aimé, Dieu attend que tu prennes conscience. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la Bible, mais tu continues à pleurer. Tu peux avoir la Bible, les promesses de Dieu, tu continues à subir. Tu peux avoir la parole de Dieu. Le somme de Dieu ont défilé en cet endroit. Ils t'ont montré que tu n'es plus condamné, mais tu ne tiens pas compte de tout ça. Toi, tu continues toujours accroché à ton histoire. Que dans ma famille, dans mon passé, tu es accroché. Bien-aimé, je suis devenu ce que je suis au milieu de vous. C'est grâce à cette connexion que l'homme de Dieu m'a transmise. Il ne m'a pas laissé un compte en banque. Il m'a juste dit, je pars, mais on se reverra. Ce que j'ai, je te les donne. Alléluia. Je commençais à pleurer. Je continuais à pleurer. Après, je dis, je m'arrête. Maintenant, je dois agir. Tu dois agir. Comme Jésus, il faut que tu gagnes. Bien-aimé, tu n'as pas une autre source pour aller gagner. Le défi, bien-aimé, doit t'accompagner. Sans défi, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Mais tu dois être objectif. Alléluia. Amen. Cette parole est oui et amen. Lorsque le cœur se convertit, tu ne seras plus pauvre. Je parle à quelqu'un. Lorsque le cœur se convertit, tu traînes dans quel esprit? Tu traînes que ça ne marchera pas. La Bible déclare, bien-aimé, après avoir écouté, que la loi de Moïse nous a condamnés. Après avoir écouté, que bien-aimé, la loi c'était le ministère de la mort. Mais je dois me convertir. Je dois me convertir. Si je vais toucher à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais sur le chemin. Je suis sur le chemin.
des coutumes de ma famille, de choses qui ne marchent pas. Mais bien aimé, lorsque le cœur se convertissent, la conversion, je suis en train d'aller dans cette direction. Maintenant je me tourne. Bien aimé, tu dois t'en détourner de tout ce qui fait ta honte. Détourne-toi de tout ce qui fait ton échec. Lorsque les cœurs, se convertissent au Seigneur Jésus, mon mari ne m'a laissé que la Bible. Mais comment toi tu trouves ta Bible? Bien aimé, je peux avoir mon iPad, mais à côté de cet iPad, j'embrasse toujours ma Bible. Mon cœur, c'est dans la parole de Dieu. Un cœur converti, un cœur converti. Convertis-toi, maman. Amen. Amen. Tu pars, tu pars. Ok, ok, ok. Maintenant, tu dois entrer dans la promesse de Dieu. Aïe, merci Saint-Esprit. Lorsque les cœurs se convertissent, la Bible dit, le voile est ôté. Le voile est ôté. Bien aimé, tout va bien. Dieu est favorable. Mais comment tu réfléchis sur l'avenir de ta vie? Moi, j'ai décidé. Avec l'aide de Dieu, j'ai dit, j'aide mon mari dans son ministère. J'ai dit, le niveau où il m'a laissé, je garderai toujours ce niveau-là. Lorsque le cœur s'est converti, arrête de pleurer. Tu dois agir. Les ennemis attendent que tu continues à pleurer. Lève-toi, lance les défis. Tu y as Jésus. Il est ton Seigneur. Bien-aimé, tu as les promesses de Dieu. C'est maintenant qu'il faut se convertir. Ok, 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 ok. Ozo le lati. Wapi. Okosangati. Wapi. Tu marches avec la honte juste. Mais la Bible déclare, lorsque le cœur, maintenant, c'est le problème du cœur. Alléluia. Amen. Tu as ton miracle. Moi, j'étais tout le temps là avec mon mari. Je l'ai laissé agir. Je l'ai laissé faire tout. Mais le jour qu'il m'a remis cette Bible, il m'a dit, je m'en vais. Ce que j'ai, je te laisse la Bible. Je pleurais, la Bible est en main. Mais plus je pleurais, je me suis dit, Seigneur, finalement je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Dieu attend. Dieu attend que ton cœur se convertisse. Pierre était dans la barque. Tout le monde était là. Fantôme. Elima. Fantôme. Elima. Fantôme. Elima. Pauvreté. Bobola. Pauvreté. Bobola. Pauvreté. Bobola. Échec. Kokweya. Échec. Kokweya. Pierre dit non. Moi je dois me convertir. Moi je ne veux pas être comme tout le monde. Moi je dois écrire une histoire. Je veux dire à quelqu'un, tel que tu es là, tel que tu es là, c'est toi qui dois écrire l'histoire. Pierre, il est sorti de la barque. Il a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche vers toi.